Alors qu'un homme piégé dans l'obscurité des péchés et un transgresseur de premier ordre vient un jour et demande conseil à un homme et lui dit « Mon frère, jamais Allah me pardonnera ». L'homme lui dit « Mon frère, efforce-toi de faire de bonnes actions, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Et Allah, le Tout-Puissant, te fera miséricorde ». Il répondit « Si je faisais partie de ceux qui font le bien, je ne serais pas venu te voir. J'ai un problème, je n'adore pas Allah correctement. Je suis loin d'Allah. Conseille-moi, aide-moi. » L'homme a dit « Ne désespère pas, ne désespère pas. » Allah a dit « Et ma miséricorde embrasse toutes choses. T'es donc l'une de ces choses que la miséricorde d'Allah englobe. » Il dit « Je jure par Allah, j'ai commis tellement de péchés et de mauvaises actions que je ne mérite pas la miséricorde d'Allah. » L'homme lui dit « Alors fais comme ceux qui sont dans l'adversité, car tu es éprouvé. » Et dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. » Certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » L'homme lui dit « Et ensuite ?» Et il répond « Lis ce qui vient après ce verset. » Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Tant que tu dis cela, alors sache que la miséricorde d'Allah t'honore. Alors aie une bonne opinion d'Allah, le puissant et le sublime. Comme il est extraordinaire de méditer les paroles d'Allah, le puissant et le sublime.